pomme si c'était en public, par exemple. Oui, on est d'accord, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça, c'est... Après, c'était sur 5 heures, tu vois, c'est intenable. Non, j'ai appris certaines choses qu'on on m'a conseillé, tu vois. On m'a dit, tu sais, Gundry. Est-ce que tu vas me flasher dans la gueule toute la soirée? Oui, parce que tu sais, c'est bien aussi la vie avec des rétines. Je jure, vraiment, on se rend pas compte, c'est un sauveur pratique. Qu'est-ce que... Oui, je disais, les choses qu'on m'a appris, on m'a appris que c'était hyper important d'être proche de son public, un peu comme Patrick Bruel. Je vois qu'on partage les mêmes références. Voilà, que c'était proche, important d'être proche de son public. Donc voilà, je me suis rapprochée, plus proche, je pense que je tombe en toi. Et encore une fois, au niveau des assurances, je suis pas sûre qu'on soit au top. Et on m'a dit donc qu'une fois qu'on est proche de son public, c'est important de se confier un petit peu, juste un petit peu, tu vois, leur donner quelques petites bribes de soi. se confier, mais pas à ce point-là, tu vois. C'est vraiment par respect pour vous, je le fais pour éviter des années de psychanalyse. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le milieu la séquence émotion. Ouais, donc je pensais que c'était important pendant cette séquence émotion de vous parler de choses. En fait, c'est hyper chiant, peut-être, je vais... Ok. Mon rêve est en train de devenir réalité. En fait, c'est vrai, mon rêve depuis toujours, c'était qu'on passe comme pour Patrick. Tu sais que dès que je rentre sur scène, les gens crient Patrick. Non, c'est mieux Patrick, je trouve. C'est vrai qu'il y a très les gens, on pense juste qu'ils cherchent des médicaments. Merci beaucoup. Annie la boulangère le connaissait bien. C'était depuis longtemps son premier client du matin. Elle était habituée depuis toujours, c'était pareil. Il demandait 5 baguettes de la veille. Après avoir vérifié qu'elles étaient assez dures, il filait bien vite et remontait dans sa voiture. Elle ne se demandait même plus s'il était bizarre. Peut-être après tout qu'il donnait à manger au canard. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui sommes-nous pour juger? Il en sait bien ce qu'il veut de ses croutons. Pour lui, tous les matins, le rituel était identique. Il cassait des bouts de pain dans un sac plastique. Et c'était parti pour sa tournée quotidienne des urinoirs du 19e. Le plaisir est une chose un peu mystique et qui appartient à chacun. Pour certains, c'est de traîner dans des toilettes publiques et d'attendre qu'on pisse sur ses boutons. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils sont très bons ces croutons. Ses journées, la tête toujours un peu ailleurs. Il n'oubliait jamais de surveiller l'heure. Il faisait illusion, c'était quand même lui le patron. Mais pendant les réunions, lui, il pensait à ses croutons. Au moment merveilleux où il irait les chercher, quand il serait encore chaud et bien invité, au plaisir qu'il aurait à les mâcher, à les manger, avant de rejoindre sa femme pour le dîner. On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui sommes-nous pour juger? Ça se trouve, ils sont très bien ces croutons. Ce soir, plus que jamais, il s'est dépêché pour récupérer son petit plaisir caché. Il s'est dépêché pour croquer le premier morceau. Il s'est peut-être dépêché un peu trop. Il est mort étouffé dans sa PM intérieure cuir blanc, laissant cette dernière image de lui vivant. Mais si on vous demande, il va vous dire, et comme Annie, le monsieur au sein de la veille est
mort par un